J'ai envie de garder Winota quand même. Ouais, parce que de toute façon, tu peux jouer tout le reste de ta main. Pardon, je t'ai craché dessus. Oh, c'est pas grave, j'adore la bave. J'adore quand tu craches. Génial. Je bug, tout est sous contrôle. Ah, il bug fort en plus. Là, vous avez pas la souris, mais... Ah, oh, PDD. C'est le petit frère de PVDDR. Ou alors, c'est Puff Daddy. Ou alors, c'est Puff Daddy, ouais. Oh, la ziggourate! C'est bien ça, les ziggourates. C'est que ziggourate, ça me fait penser à zigounette. C'est normal. Ça okay. Ressemble extrêmement, et il n'y a pas beaucoup de mots qui ressemblent à ça. Ah, c'est vrai, vas-y, on va regarder. J'attire votre attention sur, sur cette Nissa qui est un peu floue et bug. Je sais pas si vous voyez, il y a un espèce de truc comme ça au niveau de son visage. Ouais, elle est coupée, on dirait qu'elle a un œil fermé et un œil un peu ouvert, genre ouais. Comme si elle était borgne. Ou bourrée. Ou borgné, du coup. Quelqu'un qui est, voilà, j'allais dire, qui est borgné bourré, on dit qu'il est borgné, ouais. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux juste montrer le Garouk une seconde? Ouais. J'ai l'impression que l'artwork est genre élargi. Tu vois ce que je veux dire? Genre il a été déformé, il a été. Bah, il a juste peut-être un peu plus poussé à la salle, ce Garouk. Il était juste plus solide, et moi je l'ai connu légèrement plus fit. C'est pour ça que j'avais l'impression qu'il était plus. Bep, tu vois. Mais on mange bien dans la forêt. Hein. Ah, bah, c'est là où on trouve la nourriture, de toute façon, la forêt. On mange bien dans la forêt, bah, disons que s'il mange les buffles qu'il crée. T'imagines? On est pas mal. Crée un buffle et il te mange. Attends. Viens là, le buffle. Viens à toi. Pouf, coup de hache. bon, ce buffle. Il a résolu la faim dans le monde. Ah bah, il résolu. Crée, il mange. Oh, il a résolu, ouais. Il a résolu. Il y a des mots. Il a résolvé. Tu parles bien français et t'as l'impression que pas du tout. Résolu. Résolu. Tu sais combien d'interactions? Dans son deck? Ouais. Zéro. Si, il y a peut-être des gens Kragos, mais peu. Zéro. Zéro. Après lui, il va vite. Zéro, nada. Parce que lui, on construit un board et lui, il construit pas de board, mais en même temps, il construit un board. Ouais, c'est ce que je veux dire. Pas un centime. C'est ce que ça coûte à Jesse James à chaque fois. Jesse James, il a build Winota dans le désert, il a tiré dessus aux barrettes, rempli d'essence. C'est le mec qui crée un deck tier 1, pardon, et qu'il jette à la poubelle une fois qu'il a gagné le tournoi. Ouais. Ils étaient nuls, ses adversaires, et il jette son deck. Voilà, comme ça, personne ne le fera. Trop fort, Jesse James. Il pime ta caisse, mais il te tire dessus au bazooka. Sur la caisse, non, il tire sur toi. Sur ça t'apprendra, tiens, à avoir une caisse. Oh non! Allez. Eh non. Eh non. Ziggourat, ça paye pas. Ça paye ah, ça pas. Fait même pas un incolore Mais solide ah, quand même. Solide. Voilà. Je savais que j'oubliais un truc. Je croyais que ça faisait un incolore. Non. C'est non, que non, du mana c'est... pour ouais, la créature. Bah, c'est. Faut que ça ait un défaut quand même. Ouais. Oh, le petit chameau. Bah, c'est pas grave, j'accepte de me faire bouncer Euro. Non, okay. Mais t'inquiète. Ok. Ah, on est bien. Il est comme ça. Ah, il est comme ça, il va se la jouer comme ça, lui. Y a pas de problème. Qu'est-ce que tu fais quand... Bah, deux points. Dos puntos. C'est pas un dinosaure, ça? Baby Godzilla. Oh, putain, comme il est deg. C'est pas un dinosaure, du coup ça l'a pas pumpé. Enfin, il est deg, ça va. Ouais, je crois qu'il avait un autre plan, mais... Il y a pire hein, dans la vie, mais... On va faire un stun call à 3, je crois. Ouais, voilà, t'as une belle curve. Hein. Merci. Toi, il va muter son... Elle est sympa, elle est ma belle curve. Curve. Tu vas voir ma grosse curve. Vous avez vu la taille de ma curve? Waouh. Putain, il a une belle curve, lui. Elle est lisse. Elle a une belle forme. Elle est en cloche. Ouais. Bizarre. Bon, là, on va faire juste Sanctum dans Sanctum dans Sanctum. Hein. Oh, putain, la curve... Une de ces curves, mec. Ouais, c'est vrai que j'ai quand même une curve, mec. Mate la taille de cette curve. Elle est superbe. Elle est vraiment géniale, cette curve. Quelle belle carte. On l'a dit, hein. Alors qu'il y a une main coupée en même temps qu'un sablier. T'imagines, ah, j'avoue, c'est dégueu. Tu vas attraper un sablier, peut-être juste pour faire un jeu de société, ouais. Et il y a un esprit fantôme qui tu te coupe tabou, les doigts. Quoi. Ouais, voilà. Il te coupe les doigts et ton sablier. Et te dit non, tu joues pas. Mais il te laisse le petit et doigt. C'est exactement ça, en fait. Discours, c'est non, tu joues pas. Mais regarde, cette main, du coup, peut faire ce geste. Ah ben, elle le fait naturellement, en fait. Enfin, elle ne peut plus faire que ce geste. C'était lui qui était dans le clip de Drake. C'était cette main. Vous l'avez reconnu? Souvenez-vous. Conclave? Ouais, je crois, ouais. Conclave sauce? On fait un 3-3 sauce. Conclave sauce. C'est une bonne sauce, la sauce conclave. Vous mettez une sauce conclave dans mon burger, s'il vous plaît?
Oui. Ah, ça se met pas dans un burger, je pense, une sauce conserve. Ça se met avec une c'est bonne pièce, avec, avec du sanglier, tu vois. Du... sanglier, sauce conserve. Le sanglier. Ah, peut-être. Le sanglier, monsieur. Ouais. C'est bien. C'est pour ça que le Redord est très mignon, quoi. Ouais. Ça suffit pas contre les bons decks du format, mais. Tu as pioché double choc, là. Tu les as rentrés, les chocs. Non, bah non. Tu les as sortis de... Bah oui. Et à zéro cible. À choc. Pierre-Louis qui apprend la vérité en plein direct. Ah bah non, il n'y a pas de choc, non. Oh, mais ça, c'est de la merde. Mais bon, ouais, moi, je trouve que l'histoire des vampires, là, depuis 2 ans, c'est un petit peu... c'est genre, on remet des vampires, mais tu sais, il n'y a pas une continuité, genre 7 après 7, on te rajoute quelques vampires. Non, tous les 6-7, t'as le droit à des vampires. Mais du coup, ouais, ils cohabitent pas, quoi. Donc, Ah, ils cohabitent, mais vraiment le temps d'un été. Mais en fait, ouais, est-ce que les vampires, c'est pas une histoire de camp de vacances, tu vois, finalement? Ouais, un petit peu, hein, franchement, un petit peu. C'est un rendez-vous manqué, moi, je trouve, les vampires, tu vois. Oh là là, ils étaient pas sur le même fuseau, ils sont loupés à une heure près. Complet. Mais vraiment, Sorin, il va voir tous ses copains, il va passer un mois et demi entouré de ses potes, et bah, Sorin partit trop tôt, quoi, en septembre. Oh, incroyable. Ah, c'est en fait, tous les vampires, ils ont un an d'écart, et du coup, ils sont dans le même établissement, mais pas dans la même classe. Et du coup, ils se retrouvent l'été, parce que l'été, tout le monde est ensemble, tu vois. Mais ensuite, quand les cours reprennent, bah, ils sont plus ensemble encore. Oh, c'est fou. Moi, je te jure, je ne comprends pas. Genre vraiment, Sorin, tous ses potes l'ont abandonné en septembre, et là, c'est lui qui va abandonner tous ses potes, quoi. Il y a une espèce de « je vais me venger », quoi. C'est peut-être la malédiction des vampires, hein. Ouais, être abandonné et abandonné. Oh, ça, c'est triste. Bref. Il est cassé, ce chien? En fait, t'as vu, on dirait que c'est son chien. Oui, j'avoue. En fait, nous, on n'a pas de pet. Ah, mais c'est parce qu'il a lui. Du coup, il a rallié le chien à sa cause. Ben, ça devrait pas. Et toi, tu m'énerves. Voilà, lui, il m'énerve, je te le dis. Regarde comme ça, gros. Mets un coup de pied, je fais un chausson. Oh, la violence animale. C'est un guerrier, hein. C'est pour ça que je me permets. C'est un guerrier. Et d'ailleurs, tu perds certainement le combat. Ah oui, en vrai, je crois. Oh, t'as vu, tous les manas, ils viennent de là. Donc, c'est-à-dire que les forêts ont donné leur énergie au château. Et le château a donné son énergie avec un petit pourcentage supplémentaire. En fait, c'était un espèce de trader, le château. Ah, c'est beau, hein. Il a investi son argent. Il fait fructifier l'argent, en fait. Ouais. Il fait fructifier le mana. C'est beau. C'est un gestionnaire de patrimoine. Oh, c'est bon. C'est très bon, putain. Ça. Mais il gestionne des dolmens, donc ça va, tu vois. La plus-value n'est pas énorme, mais la plus-value est facile. Et il paraît que Dominaria, c'est un super paradis fiscal. Ce que j'ai entendu. Par contre, lui, il a toutes les interactions de son deck, d'Alec Khan. J'ai un modo suisse. Il m'a briefé sur comment ça se passait là-bas et ça se passe bien. Ouais, il a toutes les interactions. Bah, c'est super, écoute. Vraiment toutes. All the interaction. Peut-être que les chats ont peur des serpents. Ah ouais, alors je dirais quand même qu'un chat, il tue un serpent, moi. Franchement, je vais demander à monsieur El Grand Boa. Je pense qu'il a pas peur de beaucoup de chats. Ouais, après, ça dépend de quel serpent tu parles. C'était un gros serpent. Ah. C'était un très gros serpent. Ah, regarde, serpent. Mais ça, c'est un très gros chat, tu vois. Est-ce que c'est proportionnel, tu vois? Regarde, je mets serpent. Est-ce qu'un gros serpent, il a peur d'un snap d'axe? Bah, ça n'existe pas, Anorok, là? Qu'est-ce que c'est que ça? T'as écrit Anorok, là. Ah, Anorok, ouais, ok. Ça prend pas juste un. Ah non, il n'existe pas. Bah, tape serpent. Hein. C'est quoi cette histoire? Ah, il faut que je décoche tout. Bah, attends, c'est fou ça. Bah, attendez. Ah, je suis dingue ou quoi là? C'est dans le trône d'Eldraine. C'est dans Eldraine, ouais. La carte n'existe pas, gros. Attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Ah, parce qu'il faut que ça respecte compagnon. Voilà, c'est parce que c'était coché. Ah merde, ok. Ça. Ah, bah, ah là, grand serpent, le rocher. Ouais. Voilà. Donc, ouais, il a ah un ouais, grand il serpent. Super grand. Regarde l'humain devant lui. L'humain. Ah ouais. Ou alors, l'humain ou l'humaine est une personne extrêmement petite. Ouais, c'est vrai. Genre vraiment un mini-moy. Et deuxième partie de la combo, Lich du Souterraine, carte de Ravnica qui n'a jamais été jouée. Jamais. 4-3 pour 5 en Golgari également. Zombie et elfe et chaman. Si vous deviez piocher une carte, à la place, regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, puis mettez l'une d'entre elles dans votre main et le reste dans votre cimetière. Et vous pouvez payer 4 points de vie pour que la Lich du Souterraine acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour et l'engager. Oh, tu t'es égaré sur mon nain.
Dit le texte d'ambiance. Surmondain. Je crois que t'es un surmondain, toi. Qu'est-ce que c'est qu'un surmondain? C'est un mec qui est mondain, mais vraiment beaucoup plus mondain que les autres. Je pense que c'est un mondain, mais de la surface. Genre. Ah, peut-être. Parce que moi, je voyais plus un mec qui aime bien les soirées parisiennes, mais vraiment de la haute, tu vois. Ouais, où il y a tellement peu de gens qu'il n'y a que lui. Mais elle est ouf, cette soirée. Il est vraiment surmondain de ouf. Ça, tu vois ce que fait Lopo? C'est mou. C'est Oui, c'est super genre mou. je bouibouite, je fais une combo avec tes raiders, on s'en Sans fout. cague. On a une combo aussi, pas besoin de tes Après, raiders. s'il nous met le bzzz, la vidéo est réussie. C'est mieux, même s'il le fait. Parce qu'on aura un deck combo. Putain, je sais ce qu'il joue. Il joue bridge combo, quoi. Alors. Oh! Non, mais attends, là on est trop bien en vrai. Ranger. Tu peux faire Pacer, avoir Gitrog dès le tour d'après, et tu pourras manger le Pacer pour aller chercher la leash et gagner dans le tour. En deux tours. Sugoi Daska! Pardon. Donc tu fais Pacer, Land, tour d'après Gitrog, et le tour d'après tu feras Pacer dans leash et c'est GG. Ah non, mais appelle-moi si tu veux voir dans le turfu. Hein. Non, là tu vas faire une bêtise par contre. Voilà. Point trop d'infos. C'est presque du junk en fait. Ouais. On joue juste une interaction qui nous a plu et qu'on essaye de faire marcher de la meilleure des manières, quoi. Et Brocos, du coup, a changé de tête. Tout à l'heure, il n'avait pas cette tête-là. C'est vrai, ils l'ont mis en version Godzilla. Il a quand même des volcans sur les épaules, quoi. Alors lui, il est. Et il est vénère. Il baise un max, quoi. Ah, mais. Pff, il y a des volcans, quoi.